Les irrécupérables. Comment allez-vous? Eh ben voilà, nous sommes sur la route. Pour l'épisode 2. Avec Brice, pour l'épisode 8 voilà. De l'Ande du Paranormal. Donc je vais laisser la caméra à Brice, parce que vous voyez, je suis au volant. Et donc, ce qui n'est pas très prudent. Voilà. Alors Brice, C'est parti pour quelque chose qu'on n'a pas encore fait, c'est-à-dire un front militaire abandonné. Voilà, donc on est dans un chemin, vous voyez, on s'est même accroché par des branches. Assez boueux, hein. Mais bon, faut dire qu'il pleut aussi. Alors il y a de la pluie et il y a des arbres. Il y a de la pluie. Et ce que chez nous on dit, il y a de la pluie. Moi je crois qu'il ne faudra pas tout concours, hein, parce que si on tout le temps par terre, ben, ça sera pas de la faute à Voltaire. Bon, je vais passer par en haut. Alors, je pense que ça va être là. Il y a un chemin. Naturellement, il y a un arbre qui s'est écroulé au plein milieu. Bienvenue dans l'entre du paranormal. Nous sommes aujourd'hui dans un ancien fort militaire. Voilà, daté de 1874. 14, voilà. Donc c'est un fort qui domine un petit peu sur Besançon. Il fait partie de la ceinture fortifiée de Besançon. Voilà, donc il se passerait quand même pas mal de phénomènes d'après certains ragots, on va dire, hein, entre guillemets, parce que bon. Petit témoignage quand même. Il y a quelques petits témoignages, voilà, à droite à gauche. Donc bon, bah, nous on est venus pour démystifier tout ça, voir. Éventuellement, si on peut tomber sur quelque chose, ou pas d'ailleurs, ouais. Comme dans nos habitudes, comme dans les épisodes précédents, c'est... parce qu'à savoir, on ne cherche pas non plus... Parce qu'il y a absolument un fantastique. Voilà. Voilà, tout à fait. On vous remercie pour tous vos partages. Voilà. C'est likes. Super sympa les gars, merci, parce que on a atteint les 600 abonnés sur la chaîne YouTube. Voilà. Et sans compter, on est quasiment à 200 quoi. On n'est pas loin. Ouais, et donc, je vous invite encore une fois à nous rejoindre sur le groupe de l'Antre du Paranormal sur Facebook. Et aussi sur ma page YouTube, cette Spiro. Donc voilà, hein, continuez à liker, disliker. n'oubliez pas la cloche. Surtout partager. N'oubliez pas la cloche pour être au courant de tout ce qui se passe, des vidéos qu'on poste, etc. Voilà. Et puis naturellement, si vous nous rejoignez sur le groupe Facebook, vous serez encore plus au courant. Parce qu'on met l'essentiel sur le groupe. Et n'hésitez pas à regarder nos anciens épisodes, bien sûr. Oui, et de les partager. Voilà, voilà, sur ce, on va vous laisser la place. Voilà, on va visiter en même temps que vous. À l'épisode 8, voilà. Le fort d'Arguel, dans l'antre du paranormal. Alors, on va par où, par là? Bah là, c'est une batterie, donc... Voilà, on va entamer l'entrée dans le port. Mmh. Voilà, c'est fini. Voilà, c'est fini. Merci. C'était ce qu'on appelle une batterie d'artillerie, ça. Ouais, voilà. Donc, vous voyez, on est dans cet endroit magnifique, hein, quand on pense... Donc ce sont des forts qui ont été instaurés après la guerre franco-prussienne et qui sera active pendant la Première Guerre mondiale surtout. Bon, on va remonter. Bah, de toute façon, oui.
passe devant. On va aller dehors. Tiens, vas-y, je te laisse passer devant. Là, c'est une sortie. Hein. Oh. La surprise. Bon, ben là, je pense que c'était une, aussi une batterie, mais là, c'est complètement déconnecté, celle-là. Ouais, voilà. Donc, on voit bien, là, puis après, ben, ça tombe à pic, quoi. Donc, on va pas y aller. On va continuer à l'intérieur. Hein ? Ouais, ouais. On passe en bas. On passe en bas. Ouais, voilà. Alors voilà. Voilà le fameux fort. Comme vous pouvez. Oui. Comme vous pouvez visualiser là. Je me rapproche quand même parce que on voit pas des. Donc voilà, hein, on a vraiment le. Le fort. Et comme vous voyez, hein, en gros, donc, comme dans nos habitudes, ne vous amusez pas à aller sur ces genres de sites. Hein, donc ça, on ne cessera jamais de vous le répéter. Puisque ben, ça peut être des endroits hyper dangereux, hein, Brice. Hein. Que ceux-là ont vécu la Première Guerre mondiale. Ça a beau être de la roche, il n'en reste moins que. Et surtout que là, bon, il pleut, ça fait humide. C'est surtout le ciment, quoi. Voilà, ouais, qui tient pas, quoi. Ça peut être hyper dangereux, quoi. Donc, encore une fois, on vous le répète, vous en faites ce que vous voulez, vous êtes grand, vous êtes. Bonjour, bon voilà, c'est pour la peine de. Ah, c'est votre chambre spéciale. Je vais dire, c'était des genres de cheminées ou je ne sais quoi. C'est un moment de te dire, je ne sais pas. Je peux pas te dire. En tout cas, c'est assez. Ouais. C'est marrant de voir, et puis ça fait que une voûte, quoi, tu vois. Il y avait des barreaux. Ah. Oui, je pense. Il y avait des gros barreaux, quoi. Donc, bah, c'est. Franchement, le truc est assez sympa. Enfin, façon de parler. Ouais. On commence par. Je sais pas. De toute façon, tout se rejoint. Donc, ça, c'est une pièce fermée, ça. Ouais, donc autant. Là, c'est sûr qu'il y avait deux niveaux là-dessus. Ouais. Donc, vous voyez, il y a des tags. On va essayer de parler pas trop fort. Pour que ça nous tombe sur la gueule. Une roule d'alien. Là, moi, j'ai été couché dans une thèse des évacuations. Les évacuations, oui, qui étaient. On voit que tout ça a été bouché. Ouh là, c'était froid ici. Hein ? Ah bah c'est des couloirs, ça. Fais gaffe là, parce que regarde, il y a un pire trou. Ouais, c'était sur deux niveaux. Ouais. Donc là, c'est par où on devait passer. Voilà, on sort par là. C'est par là qu'on aurait dû passer, non ? Tu sens l'odeur ? Alors ça, ce que nous avons à côté, c'est une chambre à nous, vu les fenêtres. Ça, c'est une chambre à nous. Il y a plein de. Là,
Voilà. Oui, d'accord. Donc là, c'est par là qu'on aurait pu rentrer, on a fait le tour. On est revenu sur le niveau supérieur. Ça devait être une cellule, ça, non? Une remise. Ou une remise. Voilà. Là, j'imagine que c'était un couloir. Ouais, ça devait être un... Ouais, ça sent... Hein? Ça, bah, ça faisait tout être recouvert, mais ça a été... Ouais, tu vois, c'est pour ça que c'est protégé. Et puis regarde, il y a une autre... Ouais. Fais gaffe. Ouais, vous voyez, c'est quand même retenu par des bois... Ouais, des étais, quoi. Des étais, parce que, justement, ça se pète la gueule, donc... encore une fois, on prend le minimum. Le minimum de risque quand même. On pense à faire très attention quand même, nous. Donc voilà quoi, on va essayer de rentrer. Putain. Hein? Ouais, bah oui. Ouais, bon, on va revenir aux étages inférieurs, je pense. Hein? Ça sort dehors. Ouais, on va revenir sur nos pas, on va descendre aux étages inférieurs. Ça sert à rien qu'on aille par là-bas, de toute façon. Oups là, attention. Ça, c'est des passages couverts, mais qui ont été détruits, quoi. Ouais. Avec les bombardements. Là, pareil. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on descende et qu'on aille voir dans les étages inférieurs. On va redescendre et puis... Ouh, des crottes de peau à chauve-souris, ça. Je crois. Ah si, regarde, elles sont là, elles nichent ici. Ouais, des chauves-souris qui nichent, là. On décrotte. Ça fait gros caca aussi. Du bonheur, ouais. Ah ouais. Ça vous fait pas penser au film... de comment ça s'appelle, déjà? Bah oui, là, c'est l'entrée. Donc, parce que sinon on ne peut pas. Non, mais voilà. Alors c'est là. Ça c'est toujours 20 minutes. Wow, regardez les portes. Ah ouais, c'est là. Alors les portes, juste pour vous. Je mets ma main à côté. Je mets ma main à côté juste pour vous voyez la grosseur. C'était des trucs et rien en haut. Ouais, ouais. Il n'y a rien au-dessus. Donc en fait. Vous mettez la poubelle à canon et les gens font les jeux de tour pour vérifier dans les purée, c'est hallucinant. Mais c'est pas interdit de tuer là-dedans. Ouais, je pense. Par contre, putain, ça sent. On sent comme une espèce de. De soufre. On sent comme du soufre. Alors, vous voyez là où c'est qu'ils mettaient les canons. Malade ici. Hein? Il me semble que je vais mettre 23 dans le bouton. T'as quoi? Une grenade explosive. Oh tiens, une belle croix. La porte est impressionnante. Regarde, on a vu une encore ici, cette porte. Ouais.
Quand on voit la taille des portes, c'est impressionnant. Quand je vous dis impressionnant, c'est vraiment impressionnant. Celle-là, on n'allait pas la défoncer, je vous le dis. Comme ça, les gardes pouvaient faire le tour. On va voir cette là-bas au fond. Coucou! Ah ouais? Ouais, il y a un passage. Hein? Attends, j'arrive de l'autre côté. Voilà, notre ami 7, juste ici. Vous avez vu, il y a quand même des tours, on vient de là. Ouais, je te propose qu'on aille, on redescende en bas. Exactement. On pense que ça marche. Ouais. Il s'agirait de faire un salto. Vous avez vu un peu la taille des cheminées? Ouais. Et là en haut il y a une porte. Ouais, c'était les cheminées d'évacuation ça. Donc vous voyez un peu la taille. C'est quand même pas rien. Putain. Oh, elle m'a fait peur. De quoi donc? Une chauve-souris. En plus c'était une copine, mais elle m'a fait peur. Oh la chipie. Ça, ah oui, dites ma mère. Pas envie d'être ma mère. Ça donne dehors. Et puis voilà. Il y aura l'électricité. Ah, sûrement, ouais. Eh ben, allez, mon Brice. C'est sympa quand même, putain. Oh! Il est encore là. C'est toujours la même heure que tout à l'heure ? Ouais, je sais pas. Peut-être une autre. Elle nous suit. La coquinette. Non, c'est toi, non ? Ouais. C'est moustique. Ah, c'est le problème. Hein. Moi, je suis pas venu en kilt. Je vous aurais fait la vermicelle après. La vermicelle. Ça va longtemps. Donc là, on va rejoindre à gauche. C'est par où on est passé tout à l'heure. Ouais.
vraiment tellement de couloirs. Oui, il y a un escalier au-dessus. Encore un escalier, ouais, ouais. Là, c'est le deuxième. Regarde. Hein ? Le banc, ça m'a l'air chaud. Ah, il y a un banc. Ah, ouais, non, ça a l'air d'y aller. On va monter. C'est quoi ça ? Ouais, genre de passage. On va monter. C'était même pas, tu vois. Hein ? Les pierres. Ouais. Ouais, ben non. C'est quoi ça au bout ? Hein ? Un truc au bout. C'est quoi ça ? Brice ? C'est quoi ? Il y a un truc là-bas. Ouais. Tu vois ? Ouais, je vois. Oui. C'est quoi ? Je sais pas. Y a quelqu'un ? Ça a l'air costaud. Ouais, bah moi je vois pas, je sais pas. Pourquoi ? J'ai déjà pas de vide donc. Ah, mais là c'est pas dans le vide là. Je sais pas ce qu'il y a là-bas, mais ça m'intrigue pas. C'est une palette, on dirait, je sais pas. Ah non, c'est un fauteuil. Qu'est-ce qu'ils ont mis un fauteuil ici, ces cons-là ? Ouais, il y a un discothèque, je pense. Ah, écoutez, on va pas m'enturer. Non. Le bois est pourri, donc pour traverser, moi je traverserais bien, mais... Si c'est pour revenir aux urgences, c'est pas la peine. Pour finir aux urgences, c'est pas le but. Puis de toute façon, il n'y a qu'une pièce, comme vous le voyez ici. On voit, il n'y a rien, quoi. Et quand je suis en bois. Non. Non. Allez. C'est parti, mon petit fils. C'est bizarre. Si on fout un fauteuil là-haut. Je suis content. C'est pas un grand fort non plus. Hein. Bah, il est déjà pas mal. Hein. Ah ouais. Ah ouais. À mon avis, le plancher en béton ne devait pas être d'origine, hein, je pense, c'était du bois. Ouais, je viens de voir une lumière passer. Ah, c'est peut-être la mienne. Ouais. Y a-t-il quelqu'un dans le fort ? Non, je vois même pas ta lampe. Hein ? Comment ? Attends deux secondes. Oups. Ouais. Il me semblait aussi. Allez, je suis en ultra night. Comme j'étais l'autre jour. Bon. Tu regardes. Ah oui. Et moi, après, j'ai besoin d'un an pour te filmer, sinon j'y arrive pas. Ah, mais après, on peut faire une séance sans que tu me filmes. Là. Alors, je vais faire de façon à ce que... Envoyez le... Quoi, la taille qu'il a. J'ai entendu comme un bruit d'électricité. Si, toi, il n'y a pas de courant ni rien. Après, bon, malheureusement, il y a une partie du fort qui a dû s'effondrer dans le dessus, donc on peut pas trop y aller. On peut pas y avoir accès. Oui. Hein ? Oui, oui, bah, dans les couloirs où c'est qu'on est passé. Hein ? Bah, j'ai vu qu'il y avait un chemin d'accès pour le haut. Vous allez voir ? Hein ? Bah, j'ai vu qu'il y avait un autre chemin qui remontait au-dessus. Là. D'Arguel. C'était ce qu'on appelait un fortin, un petit fort. Un petit fort qui était bien fort. Ouais, parce que dans les ceintures fortifiées, t'avais des petits forts et puis t'avais des grands. Comme la citadelle. Citadelle de Besançon pour ceux qui connaissent. Eh oui. Ah oui, un truc, c'est qu'on a quitté un peu le Jura. Faut savoir qu'on est dans le département voisin du Doubs.
On est dans le Louvre, on est vraiment limite. Voilà. On s'est dit, on va sortir un coup des sentiers battus. On en reste 3 mois en pensant. Voilà, oui. Ouais. Je pense qu'il devait monter par là avec les chevaux, les carrioles, tout ça. Je pense que c'est là qu'on a la planche qui est finie. Hein? La gare à la chute parce qu'elle peut être mortelle. Ouais. Moi qui ai déjà le vertige. Hop là. Mais ça va, il y a de la place pour marcher. Mais pas. Ouais, là, voilà la planche. Donc voilà ce qu'on voyait du bas, si je puis dire. Voilà, c'était ça, la fameuse grille. Donc là, je suis carrément sur le fort. Et l'entrée, t'es où? Hein? On dirait qu'il y a 2 entrées. Et là, on va tomber dans le tour supérieur. Bon, voilà. On rentre dans une partie. C'est comme quoi? Il y a une grande pièce avec une cave. Là, il y a une cave, Brice. Ouais. Je pense qu'elle est bouchée, à mon avis. Pourtant, il y a la planche. Ouais, la chute doit être haute. Je sais pas. Avant, on retombe dehors après. Regarde. Mais bon, s'ils ont enlevé les poignées, je pense que. Ouais, ça veut dire que ça s'ouvre pas. Oh. Ouais, non. Non, c'est une cheminée en fait. Ouais, bon, bah voilà. Voilà. C'est ce qu'il y a en dessous. Ouais, c'est la planche qu'on met au-dessus. Regarde, regarde. Il devait y avoir un treuil, je pense. Regarde l'anneau. Ouais, il devait y avoir. Descendre les trucs. Ouais. Ouais, c'est ce qui donne un mort en fait. Voilà. Oui. L'autre entrée, c'est cette première. Ouais, voilà, c'est celle-là. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Hein. Ouais, je pense. Ce qu'on va faire maintenant, on va essayer de se poser, faire une petite, ouais. Une petite provoque, comme on dit chez nous. On verra ce qui se passe, ou pas. Donc voilà, on est de retour devant le fort. Et on va essayer de provoquer, on va dire, un petit peu, entre guillemets, quoi. Ah, si, ça y est, voilà. C'était bien le plan, c'était ça? Ouais, il y a bien fini un plan, il n'y a pas loin, c'est pas grave. Putain, j'ai entendu. Ouais. Non, il n'y a pas de plan. Chut. Putain, il y a eu un drôle de bruit, là. Comme si on traînait des pieds, tu sais. Hein? Je dis, il y a un drôle de bruit comme si on traînait des pieds. Comme quelqu'un avec des gros bouillons, des grosses bottes. Qui traînait des pieds, là. Juste là, là. Bonsoir. Y a-t-il quelqu'un ici?
était là, là. J'ai entendu comme si ça traînait des pieds. Oh, oh c'est quoi ça? T'as entendu? Ouais. Là, j'ai pas rigolé, là. Ça a répondu quand j'ai posé la question, est-ce qu'il y a quelqu'un? Mais je t'ai dit, t'as eu comme des chaînes. Y a-t-il quelqu'un de présent ici? Bonsoir. J'entends siffler. Vous inquiétez pas, on vient en ami, on fait un tournage. On n'est pas des soldats allemands, je vous rassure, on n'est pas des soldats allemands. On n'est ni des casseurs d'ailleurs. Ça peut vous rassurer. D'ailleurs, je ne verrais pas ce qu'on viendrait casser ici. On est simplement venu faire un tournage d'une émission qui s'appelle L'Antre du Paranormal. Putain, j'ai eu un truc qu'on aurait dit à la caméra là-bas. Au niveau de la porte. Ouais, tu as vu? Tu as vu? La porte. Ouais, ouais. Peut-être une forme de manche qui passe. Ah, je sais pas, j'ai vu un truc. Ça m'a... Oh, on dirait que je vois quelqu'un, là, sur le côté. Êtes-vous un militaire? Y a-t-il une entité parmi nous, s'il vous plaît? N'ayez aucune crainte de nous. Faites... C'est bon. Maman, Wichel. Faites-nous un signe, s'il vous plaît. Si c'est vous qui avez fait ce bruit, je vous remercie. Non, ça vient de là. On en vient en plus, c'est ça le truc. C'est qu'on en vient puis qu'on a. Il n'y avait rien quoi. Bon, peut-être c'est pas grand chose. Comme ça. Y a-t-il quelqu'un ici? Vers la porte tout à l'heure. Ouais. On est pas là pour embêter qui que ce soit. Je me présente, je m'appelle Seth Spiro. Mon ami, là, c'est Brice. Et on fait un tournage, simplement. Nous savons qu'on n'a pas le droit d'être dans ces lieux. Mais on vient pas là faire de mal, ni quoi que ce soit. On respecte le lieu et... Restez là, on va pas faire du bruit. Y aurait-il encore un ou des soldats ici? On est passé là tout à l'heure? Oui, le cerceau d'or. Ah oui, j'ai fait le tour. Ouais. C'est par là que j'étais sorti. Oui. Ok, c'est bon, je me repère. Y a-t-il une entité d'un soldat ici? Faites-nous un signe, s'il vous plaît, s'il y a quelqu'un ici. N'ayez aucune crainte. Ça pue le soufre ici. Hein? Ça sent le soufre ici. Une neuve? Je pense que c'est une tête.
c'est pas une voix qui vient de toi qui le dit. Pas trop, non. T'es pas rassuré? Non, du tout. Mon pote, tu te retrouves enfermé, t'es dans la maison. On tira la défoncer la porte là. Donc, non merci. Oh putain. Oh. T'as entendu du bruit? T'es pas toi qui as chuté dans une pierre, non? Non, non, ça fait roro. Ah non, putain, ah non. Je te préviens, tu fais pas bouger. Attends, on va sortir. Je te jure, Brice, là, je suis pas tranquille, mais pas du tout, tu sais. Wow. Ça, c'est les cailloux qui tombent. Ouais. Ouais, bah. Moi, je rentre plus là-dedans. Moi, je rentre plus là. Moi. J'ai pas envie de me prendre un rocher sur la gueule. Donc, voilà. Non, non, c'est. Je crois que ça venait de là, là, regarde. Attends, je vais te faire un zoom. Tu vois? Oh non, même pas. Bah non, c'est un trou. Ouais, enfin, de toute façon, ça devenait de là, quoi. Putain. Moi, ça m'a intrigué, c'est ce que j'ai vu passer là derrière tout à l'heure. Non, c'était là-bas. C'est l'autre côté, hein. J'ai pas marché. C'est ça. Chut, 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 chut. Y a-t-il un ou des soldats présents ici? C'est quoi le trou là-haut, Chris? Hein? Le trou là-haut. Ça, c'est avec une cheminée, je pense. Un chemin d'accès. Enfin, une cheminée d'accès, quoi. Ça va donner de l'autre côté, tu sais. Là où il y a le siège, c'est là. Ouais, c'est là, dans cette chambre-là. Eh, hey, y a quelque chose là-bas, Brice. Hein? Y a quelque chose là-bas. Pas trop près du mur. Non, mais là, là. Ouais. Ah, tu sais quoi, moi, je me passe de là. Wow. Je sais pas, j'ai vu comme une présence devant moi. Ouais. Bon. Attends, moi, je recule de là. Putain, j'ai vu comme une présence, là, devant moi. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On va... Putain, ça me fait bizarre, là, d'un coup. Ah, pour toi? Si, si. J'étais pas pressé tout à l'heure, mais là... Bah non, mais putain, c'est nous qu'on se met la pression, peut-être, non? Ouais, mais en tout cas, le caillou, il n'y avait rien qui l'aurait fait tomber, je pense. Ouais. Si là, il pleut. Okay. S'ils mettent danger, c'est que... Moi aussi, oui. Ouais, je pense. Peut-être pas trop, c'est... Ça suffit d'un machin. En plus, je suis monté en haut tout à l'heure, hein, dessus, alors... À savoir, ça. Peut-être ça joue. Que fait-on? Ah, j'ai le papito qui a tourné d'un coup là tout à l'heure vers, vers la fenêtre là. Et je te dis, j'ai vu comme quelque chose devant moi, une présence devant moi. Ouais. Putain. T'as des bruits glauques, hein? J'entends marcher moi, perso. Clébu, vous inquiétez pas, c'est le souffle ça. Moi je préférerais, si on repart, qu'on repart tranquillement sans se foutre la pression, parce que si on se met à courir, déjà les chemins casse-gueule. Puis là, il y avait quoi? Putain. Oh. C'est quoi ici? C'est quoi ce bruit? Bon, on va faire un petit peu remonter tranquillement à la top. Moi, je sais pas, il y a un truc qui est là-bas. Je serais bien resté y faire une pause. Hein? Ouais. Non? Tu veux faire quoi? Ah, une pause là-bas, quoi.
poser la caméra et, en vision. Et... Ouais, mais s'il arrive quoi que ce soit, ouais. Temps de reprendre la caméra, se barrer, c'est chaud. Puis là, on peut pas se permettre de courir. Hein. Il faut savoir que tout ça, une fois que c'est enterré. Ouais. Donc ça a pris dans la tronche. Ouais, donc voilà quoi. Et ben voilà, donc on a fini le... Cette petite exploration du fort. Voilà, cette petite exploration. T'as du bruit ? Et ça fait déjà depuis tout à l'heure qu'on a des drôles de bruit, ouais. De bruit, des sons de pas. On a été un petit peu surpris quand même, on va dire. Bien évidemment, on n'a pas eu Là, il faut dire qu'on est dans un dans sa passage avec, pas dans le fort même. Voilà, on n'a pas eu à proximité de l'entrée. On entend encore des bruits de pas. On entend, ouais, des drôles de bruits. Donc nous, on va retourner bah, à la voiture. Hein. On va repartir d'ici. Un peu de chemin à faire. Et, bah, on espère que cet épisode vous aura plu. Vous aura plu. Hein. On a essayé de faire au mieux pour avoir les meilleures images. En plus, le temps n'est pas avec nous puisqu'il pleut, malheureusement. Donc, ce qui est pas mal d'être à l'abri là, dans ces sortes de cavités. Là, on est vraiment à l'entrée. À l'abri, oui, si on veut. Voilà. On sait qu'on n'est pas encore sorti. Alors, ce qui est marrant, c'est que je ne sais pas si vous entendez. Mais... On entend drôle de bruit, bref. Donc, comme on vous disait, ben, on va rejoindre la voiture. Et ben, encore une fois, vous en penserez ce que vous voudrez. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas surtout, si j'ai omis, j'ai oublié quelque chose dans la vidéo que vous voyez peut-être, je ne sais pas, ben, comme dans votre habitude, de nous partager. C'est sympa de se partager un petit peu nos aperçus. Parce que ben, je ne peux pas des fois tout voir avec le casque ou la vidéo, je suis sur le truc et tout. Parfois, je passe à côté de certaines choses, ou même parfois, je fais exprès d'y laisser, parce que peut-être que pour moi, bah, voilà, c'est peut-être pas, j'ai pas le même visu. Et donc, bah, voilà, ça serait sympa de partager tout ça. S'il y en a qui sont intéressés, sur Facebook, je vous ferai un petit historique un peu de l'histoire du fort et tout, donc voilà. Et voilà. Donc, encore une fois, vous pouvez nous rejoindre sur Facebook, l'Antre du Paranormal. L'Antre du Paranormal, exactement. Okay. Voilà. Donc, faites-en encore une fois ce que vous voulez. Et on vous dit... pour le prochain épisode de l'Antre du Paranormal.